C'est un drame, une tragédie, peut-être déjà la fin de saison, mais le PSG va devoir jouer sans Kylian Mbappé. Attention, pourra-t-on s'en sortir? On va voir ça pour ce PSG Toulouse avec l'inépuisable Arthur. On fera le point sur le groupe, l'équipe parisienne, nos pronostics. Est-ce que ça va, Arthur? Est-ce que tu te remets de cette terrible nouvelle? Je m'en remets plutôt bien, écoute, hein, c'est ça, c'est le foot. Voilà, voilà, on sait, j'exagère un petit peu, mais c'est parce que voilà, on voit beaucoup de choses déjà comme si c'était fini. On va voir avec notre optimisme, comme d'habitude, que nous, on y croit encore. Peut-être qu'on sera fou, peut-être qu'on sera seul, mais on continuera sur cette voie avant de voir tout ça. N'oubliez pas, bien sûr, le petit j'aime sur cette vidéo pour nous soutenir. Et puis, bien sûr, abonnez-vous en activant la cloche pour ne rien manquer de nos vidéos. C'est parti pour le point sur le groupe de ce PSG Toulouse avec quand même des mauvaises nouvelles. Hein. Six absents du côté du PSG, pas n'importe lesquels, hein, quand même des gros noms. Ramos, Mbappé, Mukiele et Neymar sont blessés avec Ramos et Neymar qui devraient reprendre l'entraînement la semaine prochaine. Mbappé, une absence de 3 semaines environ. Mukiele revient plus ou moins bientôt. Il n'y a pas une nouvelle précision. C'est bientôt, mais pas tout de suite. Kimpembe a repris l'entraînement collectif. Quand même un peu de positif, mais c'est trop tôt pour lui pour jouer ce match. Et Marco Verratti, évidemment, est suspendu après son carton rouge. Voilà, c'est comme ça. On va faire sans lui. Et c'est avec ça, ces absents importants, même si certains sont nuls, on ne dira pas les noms, que Arthur va faire son équipe. Bah écoute, ouais, c'est parti. Bah. Je pense qu'il n'y a pas trop d'hésitation, parce que quand même le groupe est quand même vachement réduit maintenant, du coup, avec quand même, il a dit pas mal d'absents, et puis des absents importants. Donc Donnarumma dans la cage, c'est la Ligue 1, c'est normal. Hakimi, parce qu'il faut le voir enchaîner. Enchaîner en plus avec la configuration où il sera certainement plus servi, puisqu'il n'y aura que Messi qui sera là. Donc ça peut être intéressant de le revoir. Nuno Mendes à gauche pour monter en puissance. Et puis Bernat, bah, il a montré en fin de match que c'était compliqué quand il rentrait sur le terrain en ce moment. Voilà, physiquement, c'est compliqué. En défense, Danilo Marquinhos, parce que je vois pas Galtier mettre Bichabou, et puis il n'y a personne d'autre. Donc Danilo, ça me plaît bien de le voir enchaîner aussi. Ça prend un peu de rythme, parce que pourquoi pas le voir titulaire contre le Bayern. On verra, on parlera d'ici 2 semaines. Au milieu de terrain, donc l'option à Montpellier, c'était Danilo en numéro 6. Donc là, l'option, ce sera soit Zaïre Emery, soit Renato Sanchez, voilà, bah, qui accompagnera évidemment Vitinha, qui sera sûrement en numéro 10, parce que je pense qu'il va reconduire. Il n'a pas donné de signe comme quoi ça allait pas se faire comme ça. Donc je dirais Soler, Ruiz, Renato Sanchez, et puis devant, Ekitike, Messi. Après, c'est le genre de match où pourquoi pas mettre Warren Zaïre-Emery en titulaire, tu vois, je sais pas. Mais j'imagine que c'est pas mettre. Non, ce sera non. J'imagine que D'après c'est. ma fille, ce sera J'imagine que ce sera pas la place de Renato Sanchez, que Sanchez il a besoin d'enchaîner aussi. Donc si Warren Zaïre-Emery joue, ce sera peut-être plus à la place de Vitinha, peut-être plus à la place de Soler, je sais pas. Mais en tout cas, voilà, il n'y aura pas trop de surprises. Ma petite surprise à moi, ce serait. Ouais, Zaïre Emery titulaire. Ouais, ça me plaît bien. Globalement, l'équipe, oui, je pense que pour la défense, il n'y a quasiment pas de suspense. Je pense pas que Pembele va démarrer. Ce serait bien qu'il rejoue un peu, parce que faut qu'il retrouve du temps de jeu aussi. À gauche, oui, Nuno Mendes. Il a eu du mal, je trouve, contre Montpellier, mais bon, c'est aussi le retour de blessure. Il a besoin d'enchaîner. Il faut qu'il remonte en puissance, donc faut qu'il enchaîne. En défense centrale, tu l'as dit, Bichabou, ça serait une vraie surprise qu'il démarre sur ce match. Peut-être qu'il rentrera si tout se passe bien. Voilà, là, faut retrouver des certitudes au PSG. Faut que Marquinhos retrouve de la confiance. Faut que Danilo, oui, faut qu'il continue aussi. Voir si cette charnière se confirme. Moi, ça me plaît bien. Au milieu, c'est vrai que Sanchez, globalement, il a joué 6 hein, depuis qu'il est revenu assez souvent. C'est un poste que je ne comprends pas trop pour lui. Voilà, je le verrais plutôt en relayeur. Dans ses qualités, il y a la percussion, le fait d'aller vers l'avant. Là, en 6, je sais pas, j'ai l'impression qu'il est un peu freiné. Il avance un peu avec la balle, il s'arrête. Il y a quand même eu un très bon jeu long de sa part, donc ça peut être peut-être pour ça qu'il est quand même intéressant. Puis bon, physiquement, il peut couvrir un peu, récupérer la balle. J'aimerais bien le voir un peu plus haut, peut-être Fabián Ruiz en 6, même si là, il était plutôt intéressant en relayeur. Donc c'est vrai qu'il y a aussi une logique à continuer pour lui comme ça. Vitinha plutôt en 10, je suis pour, par rapport à Soler qui a été trop transparent, trop invisible quand il a joué à ce poste. Vitinha, il n'est pas toujours assez précis, je trouve, dans les contrôles, dans les passes. En tout cas, sur le dernier match, au moment où il apporte. Voilà, beaucoup de mouvements sur la perte de balle. Il y a le pressing tout de suite. Quand on est en attaque, eh ben, il y va, il essaye, il propose des choses. Quand un attaquant décroche, il monte. Ça, je trouve ça intéressant. Je trouve que voilà, ça fait au moins du mouvement de l'activité. Ça perturbe l'équipe adverse. Et Soler, s'il doit jouer, je le mettrais plutôt du coup à droite. Je préférerais que ce soit Warren Zaïre-Emery parce que pour moi, il est meilleur que Soler en ce moment. Si on est sur une vraie concurrence,
Solaire a été décisif quelques fois, oui, mais dans le jeu, ça reste voilà, globalement trop faible, trop lent, pas assez d'initiative. Pourtant, c'est pas un mauvais joueur, encore une fois, je suis sûr que ça peut venir, mais pour l'instant, Zaire Henry, je le trouve au-dessus. Donc plutôt peut-être Zaire Henry relayeur droit, après ça doit être Zaire Henry en 6 et Sanchez à droite, enfin relayeur droit, pourquoi pas, mais j'ai l'impression que oui, Sanchez s'installe en 6 avec Christophe Galtier, donc voilà, moi je serais plutôt sur ce milieu-là aussi. Et en attaque, bon, il y a carrément plus de choix, sauf à titulariser Ousni, mais j'y crois vraiment très peu, ça sera Ekitike et Messi, Messi qui doit enchaîner, Ekitike qui doit prendre de la confiance, qui doit montrer qu'il a sa place dans cette grande équipe, parce que là, comme ça, c'est un grand candidat pour les prochains grands matchs, pour Marseille, pour Monaco, pour le Bayern Munich. Il faut que ça commence maintenant, faut il faut qu'il y ait des automatismes avec Messi. Et puis j'espère voir rentrer à un moment Ismaël Garbi, parce que quand il y a autant d'attaquants qui manquent, ça serait bien qu'il joue un peu, mais titulaire, ça serait une surprise, je pense. Je te laisse, voilà, si tu veux reprendre deux, trois choses que j'ai dit. Oui, bah déjà sur les attaquants, tu as entièrement raison. Hein. Je veux dire, Ekitike, je pense que ce match contre Toulouse, probablement celui contre Marseille, mais c'est la Coupe de France. Donc voilà, c'est un autre contexte aussi. Donc ça ne sera pas le même type de match qu'en Ligue 1, je pense. Ça sera pas le même, voilà, c'est pas le même enjeu. Donc forcément, c'est un match à élimination directe. Je pense qu'Ekitike joue beaucoup. Hein, parce que contre le Bayern, il y a une possibilité qu'il joue, qu'il soit titulaire, hein, vu qu'Mbappé ne sera pas là. Il y a aussi une grosse possibilité que ce soit Neymar Messi qui occupe les deux postes offensifs avec un Solaire derrière, par exemple. On l'a déjà vu cette saison, ce n'est pas impossible. D'ailleurs, il n'a pas commencé contre Montpellier, hein, alors que tout le monde attendait à Ekitike contre Montpellier, comme il n'y avait pas Neymar. Donc c'est bien la preuve que Galtier, pour l'instant, il n'a pas non plus une grande, grande confiance. Donc voilà, tu l'as dit, c'est les matchs comme ça qui vont définir s'il est capable, s'il peut. Voilà, en tout cas, ouais, pour Renato Sanchez. Évidemment que oui, il serait pas mauvais, enfin il serait certainement meilleur en relayeur, peut-être sur un côté, tu vois, un truc un peu plus haut sur le terrain, mais Ruiz, je le vois pas 6, Solaire, je le vois pas 6, Oh Vitinha en là 6, il s'est ramassé, Verratti est pas là, Zaïre Emery, je pense que c'est pas un 6, donc du coup c'est compliqué. En tout cas, il peut jouer dans un milieu à 2, mais peut-être voilà, dans un milieu à 3 comme ça, en point de basse, je vois pas trop Zaïre-Emery. D'ailleurs, on l'a vu, il avait une bonne capacité à se projeter, donc c'est même intéressant de le faire jouer plus haut. Donc oui, Renato Sanchez, c'est le joueur un peu à la Paredes, qui va un peu traîner les pieds, un peu en retrait, qui va être capable de percuter. Je le vois plus comme un 6 à la Verratti, tu vois, un 6 qui est capable aussi de prendre les espaces, Ruiz qui redescend à sa place. Et clairement, oui, pas un Ruiz à la Thiago Motta. Donc là, ouais, je te rejoins. C'est compliqué de savoir qui va prendre cette position basse. Ruiz, ça pourrait le faire, mais tu l'as dit aussi, en 8, il a été plutôt performant. Moi, j'aimerais bien le voir enchaîner à ce poste, parce que je pense qu'avec l'absence d'Mbappé, c'est là où il sera le plus utile. Donc voilà, je suis d'accord avec toi pour Solaire. Hein. Solaire, gros respect pour Solaire, encore une fois, quand chaque fois qu'on parle des joueurs comme ça, c'est très compliqué parce qu'on a l'impression qu'ils sont nuls et que voilà. C'est juste que tu l'as dit, tu as dit le mot, c'est concurrence. Et la concurrence, elle s'exprime aussi par rapport aux prestations. Elle s'exprime pas par rapport à si tu es international, espagnol, tchèque ou biélorusse. Tu vois, le principal, Original, c'est que merci. sur le terrain, voilà, de ne pas être perdu. Et je pense que Carlos Soler, il est un peu perdu. Il a déjà pas fait une énorme Coupe du Monde. Voilà, c'est pas encore fantastique. Et Zaïre Emery, bah écoute, il monte en puissance, tout le monde en parle. On va voir, hein. Peut-être que Galtier est capable de le mettre titulaire. Maintenant, je pense qu'il fait partie intégrante de la rotation. En tout cas, quel est le niveau? Et puis il aime son premier but, t'as envie de le laisser enchaîner, il est en confiance, il est fort. C'est vrai pour Sanchez, oui, ça peut être un. Mais pour moi, pour l'instant, Sanchez, de toute façon, oui, qu'il est joué, il manque la percussion. Je ne sais pas ce qu'il faudra pour que ça vienne. C'est ce qu'on attend un peu de sa part dans ce milieu de terrain. C'est la qualité qu'il a, on va dire, en plus par rapport à d'autres. On espère que ça viendra un peu plus. On espère surtout voir un très beau PSG. Sur le débrief du match contre Montpellier, on a beaucoup souligné, au-delà du fait qu'ils avaient gagné, qu'on veut revoir un PSG qui joue collectif. Donc on espère le voir. En plus, Galtier a dit, normalement, on verra un autre visage que quand Mbappé et Neymar sont là, parce que tous les joueurs vont défendre. C'est globalement le message que j'ai retenu de la conférence de presse. On espère un beau PSG. Justement, moi, avant de vous inviter, bien sûr, je vous invite à donner vos avis sur notre composition, sur notre équipe. Si vous avez d'autres idées, si vous avez d'autres préférences, si vous voulez voir Garbi, par exemple, sinon on ne l'a pas trop dit parce que on a bien compris qu'il n'a pas trop de chances d'être titulaire pour le moment. Zaïre Emery, ça va être le plus grand candidat, mais bon, on sera à l'écoute de toutes les propositions. Nous, on passe forcément bah, au pronostic, comme d'habitude, la tradition. Arthur de son équipe, c'est moi qui commence. Et donc, je disais, voilà, on veut ce PSG qui enchaîne, qui confirme. Peut-on s'enflammer dès maintenant? Je laisserai peut-être Arthur monter jusqu'au 6-7-0 dont on est capable. Là, sur cette fois, j'irai quand même pas aussi haut. Mais dans le fond, j'y crois un peu contre Toulouse au Parc, avec des joueurs qui ont l'air d'avoir retrouvé un peu de confiance, d'avoir au moins un PSG qui joue très bien, on va dire, sur une mi-temps, voire 60 minutes.
Une heure, ce serait fou, ce serait dingue, mais voilà, je vais aller sur un 4-1. Le 1, parce que c'est l'habitude du moment. Alors, si on arrive à être plus solide, tant mieux, mais Toulouse, c'est quand même une équipe qui joue vraiment bien. C'est un promu, qui est entre guillemets que 12e, et 12e pour un promu, c'est pas mal. C'est surtout une équipe qui a un joli jeu offensif, qui met pas mal de buts en ce moment, donc je les vois bien en mettre au moins un quand même, parce qu'on craque toujours à un moment, une petite bêtise, une folie, ça nous fait plaisir, c'est le PSG, on est comme ça. Mes 4 buts inscrits, parce que déjà, bah, Toulouse, équipe offensive, j'ai espéré, je suis un peu fou, peut-être optimiste, qu'ils ne jouent pas que pour la défense. Et le PSG, quand même, quand on voit l'équipe sur le terrain, c'est des grands joueurs. Il y a notamment Lionel Messi. S'il joue comme contre Montpellier, normalement, il y a de quoi faire des belles choses. Donc voilà, j'y crois. Un bon match, pas encore tout à fait parfait, mais on confirme le positif. Voilà, je le sens comme ça. Ils m'ont fait plaisir mercredi, je retrouve un peu le sourire. Oui, bah écoute, c'est le tarif maison, un but encaissé et 4 buts marqués, parce que tu fais quoi? Tu fais 3 buts contre Montpellier plus 1. Voilà, c'est la politique de la Exactement. maison, c'est le tarif maison. Ça monte en puissance, donc c'est normal. Voilà. Et en plus, le Parc des Princes, on sait que Paris, en ce moment, depuis 2 ans, ils sont extrêmement balèzes au Parc des Princes, donc je rigole. Après, moi, je vais viser sur un, je sais pas, je dirais plutôt 0-3 pour Toulouse. Bah oui, Kylian Mbappé n'est pas là. Ah Je vois oui, pas j'ai comment le oublié, c'est PSG le peut. drame. On déclare forfait. Je ne vois pas comment le PSG va pouvoir gagner, mettre un but, exister dans ce match sans Kylian Mbappé. Je pense que tous les médias l'ont bien dit. La saison a basculé, c'est le drame et c'est fini. Voilà, c'est la fin. C'est fini. Donc bah, je tenais à te dire que voilà, je quitte les vidéos, Paris fan, tout, puisque de toute façon, il n'y aura plus de sujet. Paris s'éteint avec la blessure de Kylian Mbappé. Voilà, non, bah, trêve de blague, je ne serai pas aussi optimiste que toi sur le match, évidemment. Parce que je vois pas pourquoi ils mettraient plus de buts que contre Montpellier. Bah, peut-être parce que voilà, il n'y aurait pas d'or comme ça. Effectivement, ça aurait pu avoir un plus gros score. Je vais pas, plutôt partir sur un, allez, un 3-0. 3-0, voilà, je viens de le définir. Je pensais à un 2-1 dans ma tête, mais du coup, je vais dire 3-0. Mais Je t'ai parce que emporté avec bah, mon le optimisme PSG, quand voilà, même. comme écoute, je pense qu'il faut qu'on enregistre cette phrase qu'on dit à chaque fois. Le PSG a une grande équipe, quoi qu'il arrive, malgré les absents. Ils sont capables de faire n'importe quoi. On l'a vu contre Montpellier, quand ça commence à jouer un petit peu, il y a des buts, il y a des occasions, il y a du mouvement, c'est intéressant. Il manque quand même pas mal de joueurs, donc ça enlève des certitudes. Voilà, je parierais pas ma paye sur un 3 buts du PSG et un 0 but encaissé. Mais en tout cas, voilà, c'est une possibilité. Et je les vois bien faire bah, ne pas prendre de but. Parce que je me dis, ouais, Bernat ne va pas faire des talonnades toutes les 5 minutes. Voilà. Donc bon. Il y a peut-être un Soyons moment, ils fous. vont arrêter de faire des bêtises aux abords de la surface de réparation. Et puis on nous dit que voilà, c'est plus sécurisé sans Ramos. Ben voilà, maintenant le PSG doit le prouver aussi. C'est comme ça que Danilo prendra peut-être la place de Sergio Ramos. C'est en montrant que cette défense est plus homogène. Attention à ne pas tirer trop de conclusions. On sait que voilà, sans Mbappé, sans Neymar, ça jouera forcément très différent. Et Ekitike, déjà, ça défend plus. Rui, ça défend plus. Soler, ça défend plus. Renato Sanchez aussi. Bon, Warren Zaïre-Emery, s'il est là, ça ne sera pas du tout le même équilibre d'équipe. Donc, il ne faudra pas tirer des conclusions sur la défense, sur l'aspect défensif, sur ce match. En tout cas, voilà, je vois bien un petit 3-0. On a tous les deux trois buts d'écart avec voilà, des matchs un peu différents. J'ai envie d'y croire hein, qu'on prenne pas de but, mais en ce moment, c'est même très comme il y a toujours un moment, tu sais, où ça craque, on ne sait pas, une folie, on oublie de défendre, c'est marrant, on s'amuse. En tout cas, voilà nous pour nos sentiments sur ce match. Vous aussi, bien sûr, dans les commentaires, donnez vos pronostics. Si vous sentez plutôt une belle victoire du PSG, un match très compliqué, un match serré, voilà, plein de choses possibles. On espère en tout cas passer un bon moment. On se retrouvera très vite pour le débrief. On va tenter de vous faire ça dès dimanche, même si bon, dimanche, voilà, c'est la famille, c'est les croissances, c'est pas toujours facile, mais on fera au mieux. En tout cas, on se retrouvera très vite sur cette chaîne. Bien sûr, j'espère qu'il n'y a plus d'Arthur. Il y a eu une longue absence, ça nous a fait du mal, ça fait du bien d'enchaîner les vidéos avec toi. Non, beaucoup, c'est toujours intéressant. Puis voilà, le PSG, il y a tellement plein d'histoires que voilà, on va bientôt pouvoir faire notre film, hein. On va pouvoir le réaliser, scénariser tout ça. Il y a tellement de choses à dire, donc voilà, toujours un plaisir. Et puis on espère que vraiment le PSG est lancé maintenant. C'est Toulouse quand même, c'est Hein? jouable. Remarque, comme tu disais dans la vidéo de ce jeudi, attention à Toulouse.